Bien, merci à toutes et à tous donc d'être venus ce soir pour accueillir donc Monsieur Pierre Vesperini qui vient nous présenter son dernier livre. Donc vous pouvez voir à l'entrée Lucrèce qui vient de paraître, qui est sous-titré Archéologie d'un classique européen. Bon, on aura l'occasion bien sûr d'éclairer le sous-titre. Juste avant d'entamer le dialogue et de faire une présentation, je voulais signaler que la librairie Mola et surtout l'éditeur Denis Mola a une sorte de prédilection pour Lucrèce, puisqu'ici il a déjà édité une traduction de Lucrèce faite par Pierre Combeau avec une préface de Michel Onfray. Et donc vous voyez, rien qu'avec le nom de Michel Onfray, que ça donnait déjà quelques coup de canif dans ce que vous appelez le mythe Lucrèce, sur lequel on va donc revenir tout de suite. Peut-être commencer un peu par parler de votre parcours, et peut-être signaler déjà un premier écart. Alors, Monsieur Pierre Vesperini est ce qu'on appelle maintenant un parcours d'excellence, premier à l'École normale supérieure d'Ulm, agrégé de lettres classiques, a fait l'École de Rome, est actuellement donc au CNRS depuis la rentrée. Un parcours qu'on pourrait dire classique, qui explique la grande érudition, je vous en reparlerai, de l'ouvrage, mais aussi une rencontre avec votre directrice de thèse, qui est donc Florence Dupont, que certains ici, je sais, connaissent bien, et qui est, disons, une personnalité. C'est une grande latiniste, helléniste, spécialiste de théâtre antique, mais qui est aussi une personnalité qui fait scandale, dont les études ont marqué. Bon, il y a un titre que beaucoup connaissent qui éclaire évidemment l'aspect un peu décapant et fracassant, qui s'appelle Homère et Dallas, où il s'agit de mettre en relation l'épopée et le feuilleton. Étant donné que ce livre dont on va parler apparaît dans la presse, déjà j'ai pu lire un livre révolutionnaire, une petite bombe, et effectivement c'est un livre qui remet en question, de façon souvent assez décapante là aussi, la figure ou le mythe de Lucrèce. Et donc la première question que je voudrais vous adresser avant de passer au livre lui-même, c'est: qu'est-ce que vous pouvez me dire de cet écart entre une formation, disons, très académique et le tour qu'a pris ensuite votre recherche? Et est-ce que la rencontre avec Florence Dupont explique tout ou pas? Bien sûr, oui. C'est assez curieux la façon dont la vie se fait. Parce que au cours de mon adolescence, mais ça a commencé dès l'enfance, j'avais une énorme passion pour les livres, pour l'histoire, pour la littérature. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un bon élève. Mais je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Et donc, vous savez, voilà, la vie se passe comme ça. Vous êtes un bon élève. Alors, votre professeur de français, en première, vous dit... Mais tu es fait, il faut que tu fasses école normale. Mais l'école normale, c'est quoi? Ça ouvre surtout. Bon, alors très bien. Donc vous préparez le concours de l'école normale, tout en étant très heureux, puisque finalement, ça vous permet de faire ce que vous aimez, de faire de l'histoire, de la philosophie, de la littérature. Mais à un moment, bon, vous arrivez à l'école normale, et là, on vous dit, maintenant, tu vas faire des études de quoi? Et je ne savais pas du tout ce que je voulais étudier, parce que j'étais autant intéressé par la philo que les lettres. Tout m'intéressait. Disons, dans les sciences humaines, dans les humanités. Et alors, j'ai commencé... En fait, j'ai procédé un peu par élimination. Je voulais choisir
la matière qui me laisse le plus de liberté. Et celle-ci où je me sentais le plus à l'aise. Parce que, académiquement, bon, j'adorais l'histoire, j'adorais la philo, mais j'étais pas très bon en histoire et en philo. J'étais pas très bien noté par les... Bon, ça correspondait pas, c'était très difficile. Alors qu'en latin, bon, c'était assez facile, en latin et en grec, donc dans des lettres classiques. Je pouvais traduire, bon, personne n'allait... Donc voilà. Et puis alors, du coup, je me suis dit, bon, le latin, c'est ce qu'il y a de plus facile, ça me permettra de continuer à lire tout le reste et à continuer comme ça, sans avoir à prendre de choix, vraiment. Mais alors après, qui choisir en latin? Et alors là, il y avait effectivement cette figure de Florence Dupont, dont j'avais entendu parler dans les journaux, et qui, effectivement, faisait scandale. Et c'est ça qui m'a attiré. Parce que je me suis dit, avec cette personne-là, je serais vraiment en sécurité. Parce que j'avais lu son livre « L'invention de la littérature », donc un livre qui fait un peu exploser le mythe de la notion de littérature qui existerait de l'Antiquité à nos jours. Et sur plein d'aspects, je n'étais pas d'accord du tout avec elle, parce que j'étais donc un bon élève, donc j'avais des tas de notions qu'on m'avait apprises à l'école, donc je ne pouvais pas être d'accord avec elle. Mais j'adorais cet esprit de liberté totale. Donc je l'ai rencontré, on a beaucoup discuté, et vraiment j'ai ce sentiment de se dire, voilà, avec ce maître-là, je serais vraiment en sécurité, je pourrais être libre. Et donc j'ai travaillé avec elle de la maîtrise jusqu'à la thèse. Bien, juste donc rappeler hein, que votre livre précédent, qui est ici, est un livre sur Marc Aurèle. C'est un lien évidemment assez direct avec le Lucrèce, un lien de méthode hein, sur laquelle on va parler juste ensuite, parce que c'est sans doute ce qui peut-être caractérise le mieux hein, Lucrèce. Un lien de méthode, puisqu'il s'agit hein, là aussi d'une certaine façon de faire, de déconstruire le mythe de Marc Aurèle, et puis un lien aussi de contenu, hein, de matière, puisque ces mythes qui vous intéressent à déconstruire, ce sont quand même les figures des philosophes antiques, et donc on apprend, hein, par exemple en lisant Marc Aurèle, que celui qu'on a nommé le philosophe stoïcien ne serait en gros ni philosophe ni stoïcien, et peut-être même peut-être un épicuriste. Hein, Lucrèce vous dit à un moment qu'il ne rejette pas. Hein, donc, bon, il me semble qu'il y a une continuité avec Lucrèce, sauf que Lucrèce prend, pour voir hein, déjà même, c'est une somme, hein, ça prend une ampleur tout à fait différente. Alors, donc, on va passer tout de suite à la question de la méthode. Alors, je commencerai par dire que c'est un objet très déroutant. Hein, on ne sait pas trop, quand on commence à lire, hein, de quoi il s'agit. Ce n'est pas une monographie sur Lucrèce, ce n'est pas encore moins une biographie, ce n'est pas une analyse du grand poème De Rerum Natura. Et ce n'est pas non plus exactement une histoire de réception, comme on a l'habitude de le voir, ni même, je dirais, des usages de Lucrèce, qui est une sorte d'adaptation hein, de l'histoire de la réception. Maintenant, il y a beaucoup des usages de Descartes, de Montaigne, etc. Ce n'est pas non plus ça. C'est un ouvrage qui, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, qui est un ouvrage de recontextualisation et d'une recontextualisation, ce qui donne l'attrait aussi de la lecture, faite en quelque sorte par resserrement de focale, hein, par cercle concentrique. On commence par la Grèce, l'Épicure, puis la Rome hellénisée dans son rapport au savoir, puis véritablement le contexte de production du monde où vit Lucrèce et de production du poème. Donc, est-ce que vous pouvez essayer d'éclairer ce choix? Quelle est votre méthode? Je suis très sensible à votre question parce que moi-même, j'étais très dérouté en écrivant le livre. Ce sentiment d'être dérouté, je l'ai eu jusqu'à la fin, tant et si bien qu'en fait, je ne savais jamais dire ce que je faisais. Enfin, je ne comprenais pas ce que je faisais, en fait. Je faisais des choses, j'étais attiré par des choses, je suivais une ligne, mais,
Mais vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive d'écrire un texte sans comprendre exactement ce que je fais. Et effectivement, exactement, je suis vraiment sensible à ce que vous avez dit. Je me disais, non, ce n'est pas une monographie sur Lucrèce, ce n'est pas une histoire de la réception de Lucrèce au fil des âges. Et bon, ce que je me disais, en fait, pour avancer, c'est qu'en fait, c'était une histoire de comment un texte vivait. En fait, c'était la notion de vie, qui pour moi est très, très importante pour expliquer ce que doit faire un historien. Il y a un grand helléniste grec qui s'appelle Louis Robert qui disait que l'historien devait donner du sang aux ombres. Et j'adore cette expression. Ça, vous savez, parfois vous lisez un texte et ça vous... Donc cette expression-là m'a énormément marqué. Donc cette fois, ce n'est pas l'ombre d'un homme, mais c'est l'ombre d'un texte. C'est comment ce texte disparu a vécu au fil du temps dans différentes cultures. Donc, mais vouloir faire ça, c'est absolument énorme. En fait, c'est un travail. Et donc, ce que j'ai mis là, c'est une petite partie de ce que j'aurais voulu pouvoir mettre. Donc, j'étais tout le temps désespéré. Il y a même des moments où je croyais vraiment que je croyais vraiment que j'allais devenir fou parce que je voulais tellement essayer de retrouver toutes les expériences auxquelles ce texte avait donné lieu. Bon, mais c'était pas possible. Et alors maintenant que j'ai un peu plus de recul, je dirais qu'au fond, je me suis servi de Lucrèce, du texte de Lucrèce, pour essayer de reconstituer les différents mondes de savoir par lesquels les textes littéraires antiques ont passé. Au fond, ce qui m'intéresse à travers ce livre, c'est de voir comment est-ce que on lisait un poète latin quand on était un moine, quand on était un théologien médiéval, quand on était un humaniste. Et là, je dis un, mais il faudrait dire des, et à chaque fois voir comment il y a des différences de l'un à l'autre, etc. Au fond, c'est ça. Je disais dans ma première réponse que je m'intéresse à toutes les humanités, à toutes les différentes formes de savoir. Et au fond, c'était une espèce de fil d'Ariane. Le texte de Lucrèce, c'était un fil d'Ariane pour essayer de découvrir ces différents mondes de savoir. Oui, c'est ce qui est très net, hein, c'est qu'on a vraiment l'impression d'une plongée dans le monde antique. Et là, il y a un aspect, moi, auquel j'étais très sensible, c'est que vous ne faites pas du tout de coupure entre, disons, monde savant, monde populaire, tout est brassé. Comment vous avez réuni ces différents documents? Comment vous avez procédé pour... Eh bien, en fait, je voudrais citer une phrase de Michel Foucault, comme ça, qu'il a dit dans un entretien à propos des mots et les choses. Il dit « il faut tout lire ». Et évidemment, c'est impossible, mais c'est comme ça qu'on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et on tombe de cette façon sur des tas de témoignages tout à fait étonnants. Parce que si on reste dans la littérature spécialisée sur Lucrèce, on ne rencontrera pas des choses, par exemple, un graffiti à Pompéi, ce sont en fait des vers érotiques qu'une femme écrit à une autre femme. Donc c'est sur la porte d'une maison. Et puis là, il y a un vers de Lucrèce qui a été inséré. Bon. Mais ça, vous ne trouvez pas ça dans les textes sur Lucrèce, mais dans des textes sur les graffitis à Pompéi. Bon. Ah, donc vous voyez, c'est le genre de choses qu'il faut... Ou alors, même tout simplement, vous allez sur Wikipédia, par exemple. Bon, j'étais sur Wikipédia, je regarde Lucrèce, et là, je vois une photo très étonnante. Je vois une photo, c'est une espèce de sculpture, un bas-relief en marbre avec un petit angelot au-dessus d'une tombe, et puis en dessous, je vois qu'il y a un vers de Lucrèce. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je regarde, je vois que c'est la tombe d'un seigneur autrichien de la fin du XVIe siècle. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'est un photographe amateur qui l'a mis sur Wikipédia. Mais on ne trouvera rien là-dessus. Du coup, je me suis renseigné, j'ai contacté le monsieur qui avait fait la photo, bon, et j'ai découvert que ce seigneur autrichien, qui avait donc mis un vers de Lucrèce qui avait fait préparer sa tombe,
je me suis dit, mais est-ce que ce seigneur autrichien, est-ce que c'est un libre penseur, un épicurien ? En fait, pas du tout. C'était un catholique réactionnaire de la contre-réforme qui opprimait les paysans et qui d'ailleurs a été assassiné par les paysans au cours d'une révolte. Bon. Et donc ça prouvait, ça apportait de l'eau au moulin de ma thèse, donc de déconstruire le mythe de Lucrèce. Donc vous voyez, tout ça, c'est ces petits faits, ces petits témoignages de l'histoire qu'on ne trouve qu'en sortant de la littérature spécialisée. Il faut lire la littérature spécialisée, bien sûr, il faut en avoir connaissance, mais il faut aussi aller voir un petit peu partout. Alors, vous dites à la fin, justement, à propos de votre méthode, je reviendrai sur la thèse, que c'est le contraire d'une méthode herméneutique qui viserait à en finir avec Lucrèce. Parce que la question qu'on se pose en lisant le livre, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'évacuer Lucrèce, je reviendrai sur ce problème, et une fois qu'on a fini ce livre, on se dit effectivement qu'on en a peut-être fini avec Lucrèce. Et vous, vous dites l'inverse. Vous dites qu'à partir de ce moment-là, au contraire, à la différence d'une méthode herméneutique, on n'en a pas fini avec. Comment vous expliquez ça ? Alors, en fait, effectivement, c'est une réaction qu'on a parfois avec mon livre, parce que, donc, en fait, pour le résumer en une phrase, aujourd'hui, Lucrèce est considéré comme un philosophe romain qui a écrit un poème pour exposer sa philosophie, et le livre prétend qu'en réalité, ça n'est pas un philosophe, c'est un poète professionnel qui a écrit un poème philosophique à partir d'une commande reçue par un aristocrate romain, comme cela se faisait à l'époque très couramment. Il y a toute une bonne démonstration dans le livre, je ne rentre pas dans les détails. Mais quand on dit « Lucrèce n'était pas un philosophe, c'était un artiste, c'était un poète », alors très souvent, on a la réaction où des gens disent « Mais alors, au fond, vous diminuez Lucrèce ». On en a fini avec Lucrèce. C'est plus que c'était, etc. Et c'est ça, c'est tout à fait caractéristique de notre temps, de notre culture intellectuelle, que cette hiérarchie entre la philosophie et l'art, entre la philosophie et la poésie, pour moi, c'est pas parce qu'on dit que Lucrèce est un artiste et non un philosophe qu'on diminue Lucrèce. Au contraire, je pense qu'il y a tout un Lucrèce à redécouvrir, c'est-à-dire l'artiste, celui qui forme, qui sculpte cette matière de la philosophie. C'est pour ça qu'une comparaison que je prends très très souvent dans le livre, c'est celle de Michel-Ange et du Jugement dernier. Michel-Ange n'est pas un théologien qui exprime la théologie du Jugement dernier sous forme d'image. Bon. C'est un artiste. Et ça n'est pas le diminuer que de dire qu'il n'est pas un théologien. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on en arrive justement à cette question de votre thèse et de l'argumentation. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est précisément l'articulation entre cette plongée dans le monde antique, la recontextualisation très large, etc., et une thèse ou une argumentation, disons, qui court tout au long du livre, qui vise à déconstruire le mythe, et qui, à travers toutes les époques, vise à faire tomber une des facettes de Lucrèce et du livre. Alors, bon, vous venez de le dire en deux mots, celle du philosophe épicurien. Donc, au fur et à mesure, on apprend que c'est un livre de commande, que c'est pas du tout un personnage isolé et romantique comme on a pu le voir après, que c'est pas mystérieux, que c'est un personnage officiel, qui n'a aucune conviction, enfin on n'en sait rien en tous les cas, philosophique et épicuriste, etc. Est-ce que vous pouvez déjà, pour cette démonstration, essayer de donner quelques exemples? Alors, je pense à Memmius, qui est l'exemple que vous développez assez longuement, le commanditaire. Est-ce que vous pouvez essayer d'illustrer la façon dont vous amenez cette thèse et cette argumentation? Oui, bien sûr.
Alors, en fait, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel vit Lucrèce, c'est une république aristocratique, un petit peu comme, comme Venise l'a été pendant, pendant très longtemps. Donc, l'État est dirigé par un groupe d'aristocrates qui siègent dans le Sénat. Et ces aristocrates sont les uns avec les autres dans une compétition, une concurrence sans merci et permanente. On est consul, ce qu'on appellerait nous le chef de l'État, ça s'incarne sous la forme de deux consuls qui sont élus chaque année pour un an. Donc ça tourne beaucoup, donc la vie à Rome est une espèce de compétition permanente. On est toujours en campagne électorale et il s'agit... pour chaque aristocrate, surtout ceux des grandes familles, de briller le plus possible. Et un des éléments de cette politique de prestige pour obtenir la popularité, c'est de s'associer la culture grecque. Voilà. Donc il faut protéger des philosophes, il faut protéger des poètes, parce qu'à Rome, toute la culture est grecque. Tout ce qui est poésie, philosophie est grec, et donc présent à Rome comme grec, même si les gens qui la créent sont romains. Et alors, il se trouve que, pour comprendre Lucrèce, donc, il faut se demander qui est la personne à qui le poème est dédié. Et le poème est dédié à un sénateur romain. Ce sénateur romain s'appelle Memmius. Et donc, en général, il est évacué dans une note de bas de page. On dit, bon, c'est dédicataire. Ce philosophe a dédié son poème à cet aristocrate romain, qui est un aristocrate, d'ailleurs, totalement sans scrupules, qui a échoué lamentablement dans sa carrière, et par-dessus le marché, Il a fini par être exilé, enfin il s'est exilé tout seul parce que bon, il n'avait plus que ça à faire. Il s'est exilé à Athènes et à Athènes, il a voulu détruire les restes de la maison d'Épicure. Alors, personne ne comprend rien. Enfin, Lucrèce a dédié son poème à ce monsieur. On ne comprend pas très bien. Bon. Et en réalité, quand on se plonge justement dans cette société, on sait très bien que le dédicataire de ce genre de poème, est en réalité le commanditaire du poème. Le poème lui est dédié parce qu'en fait, c'est lui qui l'a commandé. Donc, il faut se demander pourquoi est-ce que ce Memmius aurait commandité un poème épicurien. À ce moment-là, on continue à chercher et on voit qu'il était également lié au chef de l'école épicurienne à Athènes, qui s'appelait Patron. Ça s'écrit Patron comme un patron. Et donc, ce patron fréquentait la maison de Memmius, recevait des cadeaux, de l'argent, etc. Bon. Donc, voilà donc un homme qui associait son image d'aristocrate prestigieux à l'épicurisme. Et là-dessus, c'est clair la fameuse histoire des ruines de la maison d'Épicure. Parce que, en réalité, pourquoi est-ce qu'il veut détruire les restes de la maison d'Épicure? Parce qu'en fait, il veut construire un immeuble dessus. Et pourquoi il veut construire un immeuble dessus? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il peut détruire les ruines de la maison d'Épicure, c'est parce qu'il avait acquis un droit sur ces ruines. Ça veut dire que pendant sa carrière politique, il avait l'intention. De restaurer ces ruines, de créer un monument autour de ces ruines, comme le faisaient couramment les Romains à Athènes. Cicéron en avait le projet à l'Académie de Platon, par exemple. Donc les Romains, les aristocrates romains, aimaient bien à Athènes, qui était un lieu de grand prestige, ils aimaient bien faire des travaux de restauration, un peu comme aujourd'hui le mécénat d'entreprise, on met son nom. Bon. Alors eux, ils mettaient leur nom d'aristocrates romains. Et simplement, comme là, sa carrière était finie, il se retrouvait exilé à Athènes, il n'avait plus d'argent, il s'est dit, tiens, je vais finalement détruire ces petits murets, comme il dit, et puis je vais faire un immeuble de rapport. Alors, à ce moment-là, c'était la panique, et les épicuriens d'Athènes ont convaincu Cicéron d'intervenir. On a la lettre de Cicéron à Memmius pour lui dire, s'il te plaît, non, ne fais pas ça. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est un exemple de la façon dont on peut reconstruire le fonctionnement d'un texte dans une société. Et en fait, donc, puisque vous parliez de la méthode, il s'agit vraiment de rassembler le plus de témoignages, le plus de documents possibles
pour essayer de voir en un mot comment ça marche, comment ce texte marchait, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que ce texte a été écrit. Et souvent, on nous dit on ne sait rien, on ne peut pas savoir, et on ne sait rien sur Lucrèce. En réalité, si vous cherchez, on trouve pas énormément de choses, mais on trouve suffisamment pour pouvoir, en tout cas, proposer une lecture différente, une explication différente. Bien, donc on en arrive quand même au problème, enfin, pas au problème, mais à la question un peu épineuse, hein, qui est, je dirais simplement, que reste-t-il de Lucrèce et du De Rerum Natura? Pour donner une idée, on a donc un très assez gros volume, hein, avec 110 pages de bibliographie et de notes sur 400 et quelques, donc très documenté, qui est en quatre parties, plus un intermède sur lequel je reviendrai un peu. Et on a deux chapitres, hein, en gros, sur Lucrèce et sur son poème. Sur le contenu, hein, on pourrait dire. Et donc, comment vous faites le saut, d'une certaine façon? Comment vous rendez compte de Lucrèce et de son poème par rapport à cet ensemble? C'est-à-dire, en quoi cet ensemble permet d'éclairer... Est-ce que ça fait disparaître Lucrèce? Ça, je disais, que reste-t-il? Alors, en fait, effectivement, ça, c'est un autre pan du travail, c'est-à-dire voir comment le texte fonctionne en lui-même, comment est-ce qu'il est fait, disons, essayer de rentrer dans l'atelier de Lucrèce. Comment est-ce qu'il a travaillé, en fait? Et alors, pour le dire en un mot, la référence à avoir en tête pour lire le texte, c'est la façon dont fonctionnait le savoir dans les élites sociales. Donc, ici, il y a une chose très importante, plusieurs choses importantes à savoir, c'est que dans cette culture gréco-romaine, dans cette culture hellénistique, il y a deux choses qui sont différentes par rapport à notre culture, c'est que, premièrement, il n'y a pas de discipline. Donc, il n'y a pas de séparation entre les arts, les sciences, les lettres. Tous les savoirs communiquent sous la forme imaginaire, parfois, d'une ronde. Il y a une ronde de tous les savoirs, donc de la géométrie, de la géographie, de la poésie, de la philosophie, de l'histoire, etc. Et donc ça, c'est un premier point. Et il n'y a pas d'isolement. Et puis, deuxièmement, le savoir est en soi un objet de plaisir. C'est absolument fondamental. Il n'y a pas l'idée que, par exemple, les mathématiques ou la géométrie seraient des matières austères. Souvent, dans la littérature spécialisée sur Lucrèce, on parle de l'austère Lucrèce, le poème austère de Lucrèce, parce que ça parle de physique, d'atomes, etc. Mais il n'y avait rien de plus divertissant pour les hommes de l'Antiquité, pas seulement les élites, mais vous l'avez rappelé au début, mais aussi dans le peuple. Le peuple pouvait aller dans des foires, écouter des gens qui parodiaient des problèmes d'Aristote, par exemple. C'est incroyable, mais les problèmes d'Aristote, ces petites questions, par exemple, pourquoi est-ce qu'on tremble quand on urine, ce genre de questions qu'il y a dans les problèmes d'Aristote, étaient vraiment des moyens de divertissement. Et donc, dans les foires, on a le nom d'un forain qui faisait le tour du monde antique, Rome, Athènes, Alexandrie, et qui parodiait des problèmes d'Aristote, par exemple, pourquoi les éponges boivent et ne s'enivrent pas. Et bon, ça, c'est un exemple. Pour dire, voilà. Et alors, dans les donc, le savoir est un objet de plaisir. Donc, quand les gens de l'élite se retrouvent entre eux dans les banquets, ou au bain, ou en promenade, ou en voyage, ce qu'ils font, c'est faire circuler les savoirs entre eux. D'abord, bon, ils sont plusieurs, donc ils commencent à poser une question, comme ces problèmes d'Aristote. Bon, ils posent une question, mais finalement, pourquoi est-ce que... quelle est la cause des éclipses? Pourquoi est-ce qu'il y a une... Bon, c'est vraiment très grossier ce que je fais, c'est beaucoup plus subtil chez les aristocrates. Pourquoi est-ce qu'il y a des éclipses de lune? Alors, il y a plein d'explications possibles.
Et chacun propose une explication qui amène d'autres questions, qui amène d'autres explications. Ces explications vont amener des citations de vers, vont amener des anecdotes historiques. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est la ronde des savoirs donc, dans ces conversations. Et cette ronde des savoirs, c'est exactement la référence qu'il faut avoir en tête quand on lit Lucrèce. Parce qu'en fait, vous avez une espèce de squelette, une espèce de colonne vertébrale du poème qui est effectivement la physique d'Épicure. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un manuel d'épicurisme, parce qu'on voit qu'à chaque fois, à partir de chaque dogme de l'épicurisme, il parle d'autre chose, il parle de la colère, il parle des saisons, il parle de l'enlèvement d'Hélène, il parle de la guerre punique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces poèmes étaient tous, ces poèmes prestigieux, ces poèmes commandés par l'aristocratie pour que le nom du commanditaire soit, comme il disait, éternellement commémoré, eh bien, ces poèmes étaient commentés. C'était pas du tout, c'est pour ça que l'idée d'un homme qui veut diffuser, faire de la vulgarisation par le vers, c'est complètement à côté de la plaque, parce que en réalité, justement, ce sont des poèmes difficiles. Cicéron en parle de ce genre de poème en disant un poète doit faire un poème sophistiqué, un poème caché. Et donc, il y a un commentaire qui est fait. Il y a des spécialistes du commentaire des poèmes, qui sont ceux qu'on appelait les grammatici, qu'on traduit parfois par grammairien, mais ce n'est pas une bonne traduction. Ce sont des critiques, des professeurs de lettres, des commentateurs, en fait. Et eux-mêmes, à partir du poème, vont partir dans d'autres directions. Ils ne commentent pas du tout les poèmes comme nous, on les commente. Ils vont, par exemple, si Lucrèce énonce un principe épicurien, ils vont énoncer d'autres principes philosophiques opposés. Ils vont commenter des mots, etc. Et donc, de cette façon, tout le poème est fait pour faire circuler ces savoirs dont je vous parlais, qui ne sont pas isolés, ce qu'on appelait la païdéia. Donc, tout ça est mis en vers. Et quand ça s'appelle la nature des choses, ces choses, ce ne sont pas les choses physiques, ce sont les choses de savoir, ce sont les objets de savoir. Merci beaucoup. Je vais peut-être faire un point sur un autre aspect, moi, qui m'a beaucoup plu dans votre livre et qui, je pense, facilite la lecture, ou en tous les cas, est passionnant, c'est... Alors, on disait le style dans le temps, je dirais plutôt la manière dont c'est écrit, qui, je pense, est liée à la méthode, hein, aussi. Et il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais que vous reveniez un peu. Le premier, c'est que c'est néanmoins une histoire. Ça se lit comme une histoire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, hein, lors de l'intermède, à la fin, je le retrouve rapidement... à la fin, bon, il y a un échange entre lecteur et auteur, je reviendrai un tout petit peu pour le deuxième point, et dit il faut continuer l'histoire, hein, je reprends le fil. Alors, il y a cet aspect d'une grande histoire que vous faites quand même, ça va de l'Antiquité au 19e siècle, hein, et puis il y a aussi des anecdotes, hein, dites, voici un exemple, et on a des anecdotes très savoureuses, hein, enfin, qui effectivement fait qu'on est dans un narratif. Alors, je donne un ou deux exemples. Alors, il y a l'anecdote de l'oncle Caius, moi, qui m'a beaucoup plu. Mais pour aller un peu plus loin, il y a l'anecdote de Christine de Suède, qui donc vient s'invite à une séance de l'Académie en 1658. Et donc, il s'agit, hein, de trouver quel texte on va lire. Alors, peut-être vous pouvez, ou je lis un petit passage, c'est peut-être pour donner de votre style, ouais, ça ne vous dérange bien pas. Bien sûr, je vous en prie. Donc voilà, mais voici un exemple particulièrement éclatant du caractère inoffensif et officiel de Lucrèce. Nous sommes à Paris le 11 mars 1658.
l'Académie française doit se réunir, comme à son habitude, dans l'hôtel de son protecteur, le chancelier Séguier. Le matin même, on apprend que la reine Christine de Suède, l'amie de Descartes en visite à Paris, veut assister à la, séance. On improvise alors à la hâte une réunion qui soit digne d'elle. Quel texte réciter? Quel mot du dictionnaire discuter devant elle? Pourra-t-on rester assis et où se réunir? Etc. Et puis le récit continue. Hein. Elle arrive, le chevalier, le chancelier l'accueille, la conduit, elle entre, etc. Et donc, on lui lit du Lucrèce. Hein. Mais donc, il y a un aspect narratif dans l'ensemble de votre livre. Et eu égard à la méthode d'anthropologie historique ou de déconstruction des mythes, ça m'a tout de même interrogée, puisque ça ressemble quand même à de l'histoire d'avant les annales, de l'histoire événementielle. Comment vous expliquez ou comment vous... Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Je crois que simplement la vie est comme ça. C'est-à-dire, encore une fois, c'est donner du sang aux ombres. Donc il faut, quand on peut, si on peut, comme c'est le cas ici, reconstituer un événement qui a eu lieu. Je pense que la vie elle-même, c'est pas narratif pour moi. C'est-à-dire que c'est la vie elle-même qui se passe comme ça. Quelqu'un arrive, on se demande comment ça va se passer, et l'historien, quand il le peut, donc a accès à, là, en l'occurrence, on sait exactement comment ça s'est passé. Oui. Et là aussi, je disais tout à l'heure, il faut tout lire. Ça c'est parce que j'avais un ami qui malheureusement est disparu, qui avait écrit une biographie du chancelier Séguier. Yannick Nexon. Et donc, il m'avait envoyé sa biographie, qui était l'œuvre de sa vie. Alors, moi, j'ai regardé la biographie, je me suis dit, est-ce qu'il parle de Lucrèce? Donc, je vais à l'index, et puis tac, je vois que... Et alors, c'est extraordinaire, parce que c'est celui qui va lire... Enfin, donc, celui qui va lire à Christine de Suède des vers de Lucrèce, enfin, une traduction de Lucrèce, et sa réfutation des vers de Lucrèce, c'est l'abbé Cotin. Non, l'abbé Cotin, c'est le type ridiculisé par Boileau, qui est un homme d'église, qui fait des sermons. Donc c'était absolument extraordinaire, parce que, alors que dans la littérature sur Lucrèce, vous lisez toujours que Lucrèce au XVIIe siècle, c'est vraiment, ça se lit sous le, comme dirait Talmont des Réaux, ce sont des livres qu'on lit après avoir fermé la porte. Et c'est la Bible des libertins, et là, on parle pas du tout. On est en pleine culture officielle, et donc, l'abbé Cotin, il va lire à Christine de Suède, ça. Mais ça me fait penser, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'érudition. Bon, les pages de notes, etc. Mais en réalité, on appelle ça érudition, mais pour moi, c'est du reportage. C'est-à-dire, quand un reporter fait une enquête, il doit interroger tout le monde, aller recouper les témoignages, et c'est exactement ça. Donc, je veux dire, si on veut comprendre ce qui s'est passé, c'est vrai, vous dites, c'est pas tout à fait école des annales, ce que je dis, mais c'est vrai que, et c'est d'ailleurs depuis le départ, un enjeu de discussion avec Florence Dupont, parce qu'elle me dit que je suis positiviste. Je veux savoir comment ça s'est passé. Alors qu'en fait, je ne devrais pas, puisqu'au fond, on a que des discours, on ne peut pas savoir, etc. Mais c'est vrai, je suis positiviste. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est les histoires. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est vrai, je l'avoue, c'est que ce seront des histoires vraies. C'est terrible, mais c'est comme ça, et c'est depuis l'enfance. Bien, effectivement, en tous les cas, ça... Ça donne beaucoup de saveur au livre et je retiens votre mot d'enquête parce que c'est ça aussi, effectivement, on a l'impression de suivre une enquête. Hein. Alors, vu que le temps court, je vais peut-être vous poser une ou deux questions rapides. D'abord, faut-il encore enseigner Lucrèce? Donc, après ce que vous avez fait, comment enseigner Lucrèce? Est-ce qu'on doit continuer à enseigner Lucrèce? Bien sûr, non, je pense qu'il faut... Il faut continuer à enseigner tous les auteurs grecs et latins. Et simplement, il faut... mais d'ailleurs, maintenant, c'est quelque chose qui se fait maintenant, en particulier en France. Il faut les enseigner sans les faire servir à...
disons, à donner une espèce de vernis pour des bonnes conversations en société. Il faut les enseigner pour montrer, par exemple, entre autres, pour montrer comment l'Antiquité est totalement différente de notre culture. Pour des tas de raisons, c'est très bénéfique pour des tas de raisons. D'abord parce que ça apprend, et ça on en a besoin plus que jamais, la relativité des cultures. Ça déjoue la folie identitaire dont notre pays est pris. Et bon, là encore, je parle vraiment de folie identitaire. Et aussi, plus précisément pour un cas comme Lucrèce, je pense qu'il est très important, c'est de former le jugement esthétique, c'est-à-dire de montrer comment fonctionne une œuvre d'art, comment une tragédie de Sénèque, un poème de Lucrèce, ce sont des œuvres d'art. On n'a pas besoin de dire que ça transmet un message philosophique pour que ce soit intéressant. Et après, voir comment ça marche comme œuvre d'art, ça, c'est absolument fondamental. Je pense que l'école, aujourd'hui, devrait accorder beaucoup plus d'importance qu'elle ne le fait à la formation du jugement esthétique. Ça, et pas seulement pour apprécier l'art, mais aussi pour apprécier la politique. Dans la citation que j'ai mise en exergue de la conclusion, c'est une citation du poète Joseph Brodsky qui dit « L'esthétique est la mère de l'éthique ». Et c'est vrai, parce que Brodsky dit que le démarrage de son engagement contre le totalitarisme, c'était la laideur du totalitarisme. Et donc je pense qu'en formant le jugement esthétique, on ne forme pas seulement à apprécier des œuvres d'art, mais on offre aussi les possibilités de se mettre en garde contre un climat de plus en plus délétère. Bien, oui, c'est assez clair, et de toute façon, vous avez bien souligné depuis le début ce qui correspond à votre formation et à votre pratique d'écriture, qu'il n'y avait aucune coupure chez vous entre les disciplines officielles qui effectivement posent beaucoup de problèmes en France, hein, philosophie, littérature, art, histoire, hein, c'est surtout entre philosophie et histoire en l'occurrence que se fait là. Et je tiens à dire aussi qu'il y a beaucoup de points linguistiques, hein, qui sont faits, qui sont tout à fait charmants. Alors, comme il y a du temps de discussion, je vous pose une dernière question, mais alors vraiment de curiosité et très brève. Quel autre philosophe antique avez-vous prévu d'écorner dans la suite? Non, aucun. Là, vraiment non. C'est fini avec les philosophes antiques. Oui. Non, là, ce que je prépare, c'est une... ce que j'aimerais faire, c'est une histoire, c'est une espèce de parcours un peu à vol d'oiseau de l'histoire de la philosophie antique, mais donc avec certains chapitres incontournables comme Platon, mais en essayant de montrer vraiment comment ce qu'on a appelé philosophia dans l'Antiquité est, là encore, très très différent de ce qu'on appelle philosophie aujourd'hui. Et donc, ça partira de Homère, puisque Homère est une figure cardinale de la philosophie antique, même si on nous dit toujours que Platon met Homère à la porte de la cité, etc. Bon, en réalité, Homère est une figure cardinale, et j'aimerais aller jusqu'à Constantin, qui est là aussi une figure très importante pour la philosophie, dans la mesure où il crée un régime nouveau de la vérité, parce que... la vérité dans les pratiques de savoir dont j'ai parlé dans cette ronde-là, la vérité est plurielle et elle est dialectique, elle est plurielle. Et avec Constantin, avec la christianisation du monde antique, on arrive à un moment où non, il y a une vérité une et la discussion est finie et le jeu est fini aussi. Quand Gide dit le jeu a cessé de nous être permis, c'est à ce moment-là que ça se passe. Donc ce que je voudrais faire, c'est une espèce de parcours comme ça, à vol d'oiseau, d'Homère à Constantin, disons, sur ces pratiques de la philosophie. Je vous remercie tous vivement. Merci. Et j'espère vous avoir incité à lire...